Salut à tous! Nous sommes très heureux de vous présenter une toute nouvelle saison de votre série préférée, au cœur de la plus belle et la plus prestigieuse des compétitions de poker. Durant l'été 2022, les World Series ont pris un nouveau tournant dans leur histoire riche de plus de 50 éditions, en quittant le Casino Rio qui accueillait la compétition depuis 2005. Pour la première fois, les WSOP se jouent maintenant au cœur du Strip, le mythique boulevard de Las Vegas qui ne dort jamais. Pour les dizaines de milliers de joueurs du monde entier qui font le voyage chaque année, cette révolution a été accueillie avec enthousiasme. Désormais installés dans les casinos Bally's et Paris, ils profitent d'infrastructures modernes et gigantesques, à une courte distance d'autres établissements cultes comme le Bellagio et le César Palace. Pour tourner la page du Rio et nous guider dans la nouvelle maison des WSOP, il fallait faire appel à un visage familier, un taulier. Avec 14 ans d'ancienneté dans le Team Winamax, 3 bracelets et 30 apparitions dans la série, David Ikitaï fait figure de patriarche au sein de l'équipe. Mais malgré les années qui passent, celui que l'on appelle le génie a su garder la flamme et rester une force sur laquelle compter au plus haut niveau. Au moment d'entamer cette édition 2022, le Team Winamax sait qu'il devra sortir le grand jeu pour égaler le record de 3 bracelets gagnés l'année précédente. Ils sont tous là, ou presque. Mustapha Kanit, Adrian Mateos, Joao Vieira, Romain Lewis, Pierre Calamusa, Kool Shen, Guillaume Diaz, François Pirot et le dernier arrivé, Loïc Debrejas. C'est sur le tournoi Six Max à 5 000 $ qu'ils vont tenter d'écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Une épreuve culte pour la génération Internet, dont Davidi est l'un des précurseurs, et où plus de 900 joueurs sont attendus. La dotation totale va dépasser les 4 millions, et beaucoup de visages familiers sont en quête de gloire et de dollars. Il y a les héros du Main Event Ryan Rees, Martin Jacobson et Joe McKean, mais aussi Alex Foxen, l'actuel numéro 1 mondial, et Christopher Vogelsang, figure incontournable des High Rollers. La partie va débuter avec 50 000 jetons au blind 100-200. Mais Davidi aura peut-être un peu de retard, car depuis quelques années, il a dans sa vie quelque chose d'encore plus important que le bracelet. Dave, c'est à toi. Coucou mes amours, comment ça va? Je voulais vous faire un coucou parce que je vais aller jouer au tournoi bientôt et je voulais vous faire un gros bisou avant. Vous allez faire dodo bientôt, il est très tard. Oui. T'es fatiguée, mon amour? Oh, papa, c'est toi qui as écrit papa? Ah, oui, oh, bravo, mon amour. Bravo. Ah, oh, je suis le champion. C'est qui le champion? C'est papa? C'est avec tout ça, je gagne pas, c'est pas normal, hein? Hein, Adou? Allez, je vous aime, je dois aller jouer maintenant, je dois aller vite me préparer pour aller jouer. Je vous aime très très fort. Nous aussi on t'aime très très fort, tu nous manques. Gagne-nous ce tournoi et reviens à la maison nous chercher et on y va tous ensemble, tout ça. Ouais. Bisous les amours, je vous aime, gros bisous, bonne nuit. Ah là là, ma petite famille, ça fait 5 jours que je suis à Las Vegas et il me manque déjà beaucoup. Le programme, c'est de rester encore quelques jours et puis je rentre à la maison, je vais chercher la famille et on revient pour le main event. Je suis arrivé à Vegas à peine il y a 5-6 jours, j'ai joué le 3K Six Max, j'ai terminé 18e sur 1348 joueurs. C'était un gros deep run, ça m'a donné beaucoup de confiance pour le format Six Max. Chaud d'action, j'ai joué très agressivement, ça m'a bien réussi. J'ai un peu le même projet aujourd'hui. Le field sera sans doute un petit peu plus relevé, mais c'est une stratégie qui marche bien. Allez, c'est parti. J'ai une petite marge de 10-15 minutes, mais ça me fait du bien. Ça me permet un peu de prendre l'air, de marcher avant le tournoi, c'est une bonne chose. De passer à côté du Bellagio, des fontaines, c'est assez kiffant, j'aime bien, c'est une atmosphère qui me plaît bien, même s'il fait très très chaud et qu'il y a beaucoup de monde sur le strip.
Ça fait bizarre que les World Series sont plus au Rio. C'est un peu plus central, ça change. D'un côté, c'est positif. D'un autre côté, j'ai beaucoup de souvenirs au Rio. Donc, ça me manque un peu. Donc, j'espère qu'il y aura la même énergie ici. On va pouvoir gagner du tournoi, gagner des titres, gagner des bracelets. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que je suis venu au World Series. J'ai soif de victoire. Pas encore très à l'aise avec les salles et je vais essayer de voir exactement où il faut s'inscrire, où est-ce que je dois jouer. Je suis encore un peu perdu, il faudra un petit temps pour m'habituer à cette nouvelle salle. Allez, voilà, j'ai mon ticket, je vais tirer la table. Le tirage de table est très important. The right place for the six max. No, four tables that way. Et voilà, je me gourde. Mais arrête, on va être à la même table. Aïe. Ça va les fiches? On va pas être à la même table. Non, on sera pas à la même table. Non, on va rentrer. On va une table d'aller direct. Première? Quoi? T'arrives? Ouais. Enfin, c'est déjà ta deuxième boulette, non, toi? C'est chaud quand même, au level 2. On ne sait jamais, ça s'est déjà vu. Allez, good luck. L'ami Volatar et l'ami Nono. C'est cool de revoir des règles français, les amis. Hello. How's it going? Very good. This is the 5K. Je pense à un tournoi, le Six Max, où les Français ont un énorme avantage parce que justement, sur Winamax, on joue en Six Max toute l'année. Thank you very much. Alors que les Américains, ils ont beaucoup moins l'habitude, ils jouent habituellement en full ring. Donc on a beaucoup plus d'entraînement qu'eux. Ah, je vois ma table d'ici, ça a l'air correct, ça a l'air correct. Je connais quelques têtes, je connais quelques têtes. Hello, hello, un Français. Un deuxième Français. Il est suivi par la deuxième pro là. Ouais. Fais pas de conneries, hein. Je suis obligé, il y a ma famille qui va regarder après. Toute la France te regarde. Ce Français-là, c'est Roger Taïeb, un joueur régulier des cercles. Il est dans le dur, c'est un grinder de live qui joue depuis longtemps. J'ai beaucoup de respect pour ce genre de joueur. Qui grind toute la journée en live. Ils savent tenir les cartes, comme on dit. Et à ma gauche, c'est plutôt un joueur online, ce joueur français qui a plutôt des plays online, très agressif. Donc, c'est pas idéal de l'avoir à sa gauche. Et puis, deux joueurs que je connais pas. Hello. Et ensuite, il y a Maria O. Mais grosso modo, ma première impression, c'est que la table a l'air plutôt tight. Je vais un petit peu observer, c'est le plus important pour moi dans ce genre de tournoi, c'est le profiling de nos adversaires. Donc il faut bien que je les cerne bien et que je mette en place une stratégie assez rapidement avec le peu d'informations que j'ai. Valet 9 sur la blind de Maria O, je vais open au cutoff. Ah,
Ce flop est pas top. En même temps, j'ai plus d'as qu'elle, j'ai un avantage de range, je vais essayer d'être petit. Voilà, elle passe, nickel. Je vais noter sur l'app Winamax la main que j'ai parce que je suis filmé par dans la tête d'un pro. La table a vraiment l'air tight. Je suis en train de réaliser vraiment que la table est tight, ce qui m'arrange. Je vais jouer assez. Je peux ouvrir beaucoup plus de mains. Les types, ils défendent même pas. Ils ont l'air vraiment tight. Même Roger à ma droite, que je connais, est assez tight. Il est solide. Il joue un tournoi à gros buy-in pour lui. Donc je crois pas qu'il va. Il va le jouer très sérieusement. Il va essayer de jouer low variance. Je vais défendre, bien entendu, on est très deep. Elle s'est bête, je pense qu'elle va assez bête avec range, quand même souvent la meilleure main encore. C'est un petit sizing, je call, je crois pas qu'elle va continuer spécialement à bluffer. Ce 10, est-ce que j'ai envie de transformer ma main en bluff? Non, je pense pas que c'est nécessaire, j'ai trop souvent la meilleure main. Allez, ça gagne, on prend des petits pots, c'est bien au départ. On peut voir qu'elle n'a pas deux barrels, c'est une table pas trop dangereuse, qui vont pas trop bluffer, ça reste facile à jouer face à des adversaires qui underbluff. C'est des tables qui me conviennent au jour 1. Oh, ça c'est une bonne nouvelle, on nous enlève le seul joueur qui aurait pu être un peu dangereux de la table. Cut-off où j'ai pas encore beaucoup d'informations sur lui. Il open, j'ai As-Dame, une main très forte. J'ai bien entendu 3 bêtes. Pour l'instant, il me donne une image assez sérieuse. Il a beaucoup de jetons, par contre. C'est un joueur que j'aurais plutôt envie d'attaquer. Mais je vais attendre d'avoir quand même un petit peu plus d'informations sur lui. Dame 8.
c'est un bon spot d'open toujours sur la blind de Mariao. Flop avantage ma range aussi, mais ça sert à rien de bêter gros sur ce genre de flop, je vais bet une blind. Elle call. Turn une dame, c'est une belle carte. Souvent des hauteurs rois, des 5. Par contre, oui, je suis encore obligé de bet avec toute ma range ici. Donc, je vais bet un sizing assez cher. Comme je l'aurais fait si je bluffais. Et passe. Allez, ça grind des petits pots en début de tournoi. Le but de ce début de tournoi, c'est de se créer une image et de vraiment bien cerner nos adversaires pour détecter leur leak et adopter une stratégie. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est une table où j'ai envie d'en mettre partout. Sauf c'est pas le genre de main qu'on open dans toutes les tables au hijack, mais là la table elle a l'air assez weak, donc je vais en profiter, je vais open un peu plus large qu'habituellement. Le flop est pas mal. Je joue la quinte par les deux bouts. C'est une bonne main à check call. Ils peuvent avoir beaucoup de tirages. J'ai pas envie de jouer spécialement en gros pot avec cette main et être à l'aveugle. Tout le monde a check le flop. Ici par contre, il faut que je bête. Je vais mettre la moitié du pot. Le call, la river, c'est la doublette du 2. Je pense pas que je vais lui faire fold beaucoup de paires, de double paires. J'ai parfois la meilleure main. Même si je pense qu'il aurait misé lui-même beaucoup de ses draws, je pense quand même que je vais pas lui faire fold grand chose si je bet. Il y a les mains qui me battent, je pense pas qu'il va les fold. Du coup, on va espérer avoir la meilleure main. Qu'est-ce que t'as? Roi 2 de pique. Wow. Heureusement que j'ai pas bet. Wow. J'aime beaucoup ma table, il y a un nouveau joueur à ma gauche, pas trop d'infos, ce qui est une bonne nouvelle de pas trop le connaître. On va défendre 5 et 8 off. On est tellement deep qu'on a envie vraiment d'aller chercher des accidents.
Non, je vais pas payer ici, il y a trop de mains qui me battent, trop de cartes au-dessus de ma paire. On s'en fout, on passe, c'est un petit pot. Ce joueur qui a joué plutôt tight depuis le début, qui 3-bet du cut-off, paire de 10. Ah. C'est dur à jouer ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas fold. J'ai un stack suffisant juste pour cette main. Est-ce que j'ai envie de call 4-bet ça? Je suis pas sûr. Je peux lui donner du crédit, je ne l'ai pas vu en 3-bet encore, il a peut-être du jeu. Je vais just call tranquille. Ce qui me dérange un peu dans ce call, c'est qu'il va toujours me mettre sur une main de ce genre, de 9, de 10, de valet parfois. Parfois des rois, dames suitées, des as, dames off. Check back. Dans le 7 de cœur, j'ai un flush draw maintenant. Je pense que quand il check back, il va toujours check back ses mains très fort du type 2 as, 2 rois. Il check de nouveau. La river 1-8. Si j'ai pas de value à miser, je vois pas ce qu'il va me payer moins bien si je bet. Par contre, s'il bet ici, je sais pas trop savoir ce qu'il peut bluffer avec. Il peut typiquement jouer une main comme As-Valet, 2 As, 2 Rois de cette manière là. C'est assez classique. Après, s'il a des purs bluffs du type As-5 suité ou des mains comme ça et qu'il a 3 bêtes, il pourrait être tenté de faire un petit bluff. Il bet 5000 dans 8200. Ah là 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 là. C'est pas facile ça. Il faut que j'essaye de chercher sa combo de bluff. Donc ouais, il pourrait 3 bêtes des mains du type roi 4 de pique, roi 6 de pique, roi 9 de pique. Des mains suitées au roi, à l'as, et de faire un petit bluff à la fin. En même temps, moi je représente 2, 10, souvent 2, 9. J'ai pas beaucoup de mains qui ont rien. Il peut s'attendre à ce que je call. Depuis le début, je suis assez actif. Je crois pas qu'il bluffe. Avec cette line, je vais un peu l'observer. Là, je vois qu'il a la carotide à fond. Et en même temps, ça veut pas dire grand chose, mais j'ai envie d'avoir l'info pour plus tard. Il suffit qu'il bluffe de temps en temps pour que le call soit profitable. Je pense que je suis pas good, mais j'ai envie d'avoir cette info par rapport au tel que j'ai décelé chez lui. Ça va beaucoup m'aider pour la suite de la game. Même si je crois que le call est légèrement EV moins, j'ai quand même envie de call. Ça va me donner une bonne info pour la suite. Ça va beaucoup m'aider. Allez. Allez, cadeau. Ouais, désastre, classique. Ouais, on n'est pas dans du high stake où les gens vont faire ce play en bluff. Ici c'est plus, il check back, ouais, juste
Il l'a toujours. Les gens, quand ils check back, ils sont plutôt en value ici. Ouais, c'est pas un terrible call, mais en même temps, ça m'aide pas mal pour la suite de la game. J'ai vu quelque chose d'assez important qui risque de bien m'aider. Il a beaucoup de jetons, donc c'est important ce genre d'infos. Allez, je continue au panneau cutoff. Je veux être actif à cette table. Flop est pas spécialement ouf, mais je crois que je préfère c-bet ici. C'est un flop où je dois c-bet range, j'ai trop un avantage de range, donc je vais c-bet pas cher, comme je pourrais le faire avec des mains très fortes. En même temps, est-ce que je peux me faire call par des moins bonnes mains? Je pense de temps en temps, ils peuvent call des rois moins bons, ils peuvent call des flush draw. Ils peuvent parfois call des mains du type valet, dame de pique, 10 valets de pique, gut shot, vu que le prix est très bon, on peut call des Broadway suités ou 10 valets avec un cœur. Ils payent tous les deux, c'est pas idéal. Ah, la turn, c'est la pire, la dame de cœur. Je vais juste check back. Les river 1-2, je pense que ouais, je suis pas good ici. Je suis pas good. Si je bet ici, je représente vraiment rien. Je give up. Et il avait roi 5 suité. J'étais devant la small blind, mais la big blind à 5 off. Dommage, petit pot, pas grave. En tout cas, je suis très bien à cette table. J'aime bien ma table, c'est nickel. Ce genre de table que j'aime bien. Ça me permet de jouer beaucoup, beaucoup de mains. Après, je suis quand même souvent call pré-flop, donc c'est mieux de jouer des mains qui se débrouillent un peu, qui ont une bonne jouabilité. As-Dame suité, parfait. Ce joueur à ma gauche, j'ai pas beaucoup d'infos sur lui, sauf qu'il a pas l'air... Il n'a pas l'air fou depuis le début, il n'a pas joué beaucoup de mains. Et surtout, c'est son premier 3-bet. En même temps, j'ai une main très forte ici. Il n'y a qu'un play possible, c'est de call. La main est suitée, c'est une main qui se joue très bien post-flop. Ah, ça, c'est un très beau flop. Je pense qu'il va toujours ses bêtes, il s'est bête 3000, je pense que j'ai pas trop de raison de relancer ici. Très peu de mains plus fortes que je vais faire passer, je préfère le laisser continuer à miser. Je pense qu'il va jamais me mettre spécialement sur une main aussi forte si je touche. Turn last, c'est une belle carte, ça améliore ma main au cas où il avait une overpair. Il n'y a qu'une seule main qui peut me faire vraiment peur ici, c'est As-Roi.
suis même pas sûr qu'il me 3-bet paire de 9 dans ce spot. Peut-être, de temps en temps. Voilà, il bet assez cher. C'est sûr, je vais pas fold ça. Je suis pas spécialement super content vu le profil de mon adversaire. Je pense pas qu'il aurait joué comme ça de roi, de valet. Il aurait pas bet ce sizing comme ça à la turn. Ça m'étonnerait, du coup ça m'inquiète un peu. Après il peut avoir des mains des autres as, des as valet, as 10. Il peut aussi avoir des purs bluffs, des mains du type roi dame, qui sont des belles mains à bluff, des Broadway. River 10 de cœur, maintenant as 10 me bat. Pas nécessairement sûr qu'il m'aurait 3 bêtes as 10. Je sais pas si j'ai envie qu'il bête. Je suis pas convaincu qu'il va trop bluffer ce spot. Après moi je peux avoir des mains de type A5 suité. Il y a plus ou moins 30k dans le pot et il mise 18 000. Là, 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 là. Ça c'est une décision. Ah là là, la cote est bonne, il y a beaucoup dans ce pot. Est-ce qu'il peut bluffer ce spot? Je le vois pas trop bluffer. Ah là là. Il y a vraiment As-Roi qui me fait peur. C'est un peu chaud de passer ça. C'est As-Roi, bravo. Ouais, c'est un peu chaud. Là, j'ai une main trop forte dans ma range pour passer. Allez, payé, pas convaincu. Ah, c'est un de cœur. Ouf. Je suis content de split sur ce coup. Un petit carreau river aurait fait kiffer, mais c'est déjà pas mal, on va split ce pot. Ça me donne pas mal d'infos, il a quand même value à cette in river. À mon avis, ce genre de joueur qui est très orienté value, et qui sans doute bluffe pas tant que ça. Un peu un profil que je connais bien chez les Américains, qui me convient parfaitement. C'est 10 de pique, c'est une main qui a une bonne jouabilité. Je veux jouer de plus en plus de mains qui se débrouillent bien en multi-way. Il colle comme un UTG1, c'est quoi sa range? Il a l'air quand même de vouloir avoir beaucoup de flops. Ici je vais check, ça n'a pas trop d'utilité de miser. Je préférerais check call ici. Je pense qu'il peut souvent avoir des underpairs de type paire de 7, 6, 5, 4. Bête un peu pour protéger. Allez, l'as, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est good. Il aurait sans doute une underpair. Nickel. Petit à petit, j'ai l'impression de me créer une image un peu aggro là. Ce qui peut m'aider par la suite si je touche du gros jeu à me faire call. Les joueurs américains sont pas assez agressifs sur ce format 6-max. Je pense que ça marche bien, il faut être très aggro. Yeah.
du bouton, il a déjà open 2-3 fois le bouton. Et j'ai vu qu'il sur les 3 bêtes il fold un peu trop. Allez, je vais 3 bêtes. 4005. Ah. Oups. Oh, j'ai mis un jeton de 5000, je croyais que c'était un jeton de 500. Je l'ai 3 bêtes à 9000. Oula. Saucique. Allez, fold. Allez, fold. Même s'il s'aperçoit de mon misclick, il va quand même se dire que je dois avoir une range sérieuse pour faire 4005 dans ce spot. Allez, nickel. Usually it's 500 this color. J'avais la main de Calamusa. C'était 4 off. As-9 au cut-off, c'est un open. 900. Raise 900. I finish in 17 with victory. Voilà, lui il call, il 3 bet pas beaucoup. On l'a vu 3 bet une fois, il avait As-Dame suité quand même. Permet d'ouvrir encore beaucoup mon cut-off. Un bon spot d'open. C'est bête, c'est pas mal de bloquer un 9. Bloquer un peu les tirages quintes possibles. Il me call de nouveau. Je pense que je peux continuer sur quelques cartes. Le 7, le 10, la dame. Pourquoi pas? Je pense qu'il foldera jamais un valet. Des mains comme dame 10 c'est encore possible. Et je préférerais check. Peut-être je miserais la river. River 10 c'est une belle main parce que ça bloque pas mal. Je bloque pas mal de cartes. Mais en même temps, je pense qu'il pense que je vais miser tout le temps mes mains du type As-Dame. Où il peut me recall, je le vois pas folder un valet ici, tu sais quoi, je give up, surtout que c'est valet sur ton valet dame. Oh, 8 et 6 de pique, hein. Wow, c'est un peu light, ouais, pourquoi pas. Peut-être j'aurais pu bluff ce spot, un petit sizing river, dommage, j'ai oublié de bluff ce spot, c'était pas mal quand même de bluff pour faire passer tous ces 8. Ouais. Allez, c'est pas grave, c'est un petit coup, je suis bien actif à table. Voilà, maintenant ça fold, les gens n'osent plus me voler la blind. Roger call, roi 4 de pique, c'est des mains, j'aime bien être agressif avec ce genre de mains. On va relancer. Oh, elle flop de dingue. Allez, dis-moi que t'as un as, c'est typique le genre de play qu'il pourrait faire. Link call avec beaucoup de ses as. Oh là, fold pas si vite. Ah. Frapper les nuts au flop. Dommage. Ah.
très actif à table. On a laissé une bonne main à jouer en multiway. Je me discipline un peu pour pas ouvrir trop de mains non plus qui se défendent moins bien. On a une grosse profondeur, donc il faut jouer des mains qui ont une belle jouabilité post-flop. Allez, on est en 4-way. Un 4-way, est-ce que j'ai envie de c-bet ça? Pourquoi pas, ouais, ça va donner une... J'ai pas mal de backdoors, je bloque des cartes importantes, je vais faire un petit c-bet. Les gens ont l'air vraiment de jouer la valeur de leur carte. Je pense qu'ils vont me donner du respect de ces bêtes en 4-way. Je joue des backdoors. Au pire, voilà, nickel, cool. C'est bien de ces bêtes, c'est pour en 4-way. Alors, il open UTG, j'ai quand même envie de jouer des mains face à lui. Il a un profil que j'aime bien, roi 9 suité, je vais bien sûr pas fold. Ça peut être un cool spot de 3 bêtes, ça. I raise to 48. Ouais, les big blind contre UTG, c'est des bons spots ça, et ça rep strong, j'aime bien ma main pour le faire. On voit qu'il joue un peu trop de mains, qu'il est loose, passif. Petit pot, il faut lui faire sortir de sa zone de confort. De blind, je vais limper un as. Ici j'ai le 6 de pique, j'essaye. Je pense qu'il pourrait miser avec tellement de mains ici, je vais pas fold le moteur as. Plus je joue des backdoors. Si j'ai une gutshot en plus. Par contre, s'il mise ici, je le vois pas bluff avec son profil. Et le truc, c'est que je bloque les tirages possibles, les gros tirages chez mon adversaire. Il bête assez cher, je pense qu'il a souvent un 5 et parfois un 7. J'ai pas envie de coller avec ma main, je pense avoir le 6 de pique ici, c'est pas une bonne main pour call. Ça enlève les tirages possibles chez mon adversaire. Allez, il est pour toi ce petit pot.
C'est une entame de match plutôt tranquille, Dave. Ton tapis tourne toujours autour de 50 000, c'est le stack de départ. Pas de gros mouvements donc, mais pour le moment nous n'avons passé qu'une heure de jeu en ta compagnie. Le moteur commence à peine à chauffer sur ce tournoi Six Max à 5 000 $. Et on a encore beaucoup de temps à passer avec toi. La suite de ton D1, on la découvrira très vite dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.